L'une des seules choses au monde plus dure qu'un crâne humain, c'est la pierre. Donc si on assemble une pierre avec un bord tranchant et un bâton, on obtient un outil avec l'énergie cinétique suffisante pour fendre le crâne d'un homme. C'est redoutable. À l'âge de pierre, les humains en sont là. Ensuite, on a le casque, un objet qui coûte très cher et qui permet de se protéger le crâne. En conséquence, ceux qui ont les moyens d'avoir cette protection très coûteuse peuvent s'imposer. Ce qui signifie que la structure de la société est faite à l'avantage des hommes capables de fabriquer un casque en bronze. La société transforme la guerre et vice-versa. Et la guerre accélère les changements sociaux, parce qu'il en va de la survie de cette société.